Escale incontournable lorsqu'on voyage dans le nord du Vietnam, la baie d'Along s'inscrit parmi les sites les plus étonnants de la planète. Pour nous changer des îles de l'Atlantique, nous rêvions depuis longtemps des spectaculaires paysages marins du golfe du Tonkin. Nous y voilà. La baie d'Along est la plus connue, avec la baie de Tulong, la baie de Lan Ha, l'archipel de Cat Ba. Ce sont près de 2000 îles et îlots qui surgissent des flots entre le port de Haiphong et la frontière chinoise. Plus de 3 millions de touristes visitent le site chaque année. Pour profiter pleinement du lieu, oubliez les grands bateaux-usines. Choisissez une petite jonque qui se faufilera partout et allez passer une ou deux nuits dans la baie de Tulong ou de Lan Ha. Cachées entre les rochers perdus au milieu de nulle part, de minuscules plages désertes nous invitent à jouer les Robinson Crusoe. Le soir, au mouillage, l'harmonie du coucher du soleil nous plonge dans une infinie sérénité. Au petit matin, j'hésite à ouvrir l'œil, craignant de rompre le charme. Mais non, ce sont bien ces fabuleux reliefs karstiques que j'aperçois par le hublot de la cabine. Nous avons passé la nuit non loin d'un village de pêcheurs. Depuis le lever du jour, la vie se fait un peu plus présente autour de la jonque. Trop escarpées, la plupart des îles de la baie sont inhabitées. Les familles de pêcheurs vivent sur l'eau, dans des villages flottants. Environ 1600 habitants se répartissent dans quatre gros villages. La pêche et l'élevage des poissons forment l'essentiel de leur activité. On peut s'y arrêter pour déjeuner, le touriste est bienvenu. Mais la cuisine à bord de notre jonque est délicieuse, on aurait tort de s'en priver. Le capitaine Zuyen a longtemps pratiqué la pêche dans les eaux de la baie. Il en connaît tous les secrets. Il nous est déjà arrivé de parcourir les rues d'un village, même à l'autre bout du monde, mais lorsque les rues se changent en canots, que les maisons flottent sur l'eau et qu'on ne s'y déplace qu'en barque, la promenade devient singulière. Après cet étonnant village flottant près de l'île de Cat Ba, nous débarquons sur une ferme marine où on élève des huîtres perlières. Depuis les années 2000, les Vietnamiens se sont lancés dans la perliculture. Trois sortes de perles sont produites dans la baie. La perle à Coya, surtout exportée vers le Japon, où la production est en crise. La perle des mers du Sud et la célèbre perle noire de Tahiti. Les eaux plus chaudes qu'au Japon ou en Chine et un site mieux protégé des tempêtes, sont des atouts majeurs que les Vietnamiens ont su mettre en valeur. La baie nous réserve encore bien des surprises. Sur ces îlots rocheux, isolés du continent, des espèces animales ont trouvé refuge. C'est le cas d'une espèce rare de primates, les langurs à tête blanche. Il n'en resterait que quelques dizaines. Nous allons essayer de les apercevoir. Pour les approcher, il faut changer d'embarcation. Le kayak est mieux adapté. Un tunnel naturel creusé dans la roche
permet d'accéder à un lac intérieur. Cette fantaisie géologique, façonnée par l'érosion, en fait un lieu très prisé des touristes. Peu ont la patience d'attendre. La plupart ne savent même pas qu'ils sont épiés par une des espèces de primates les plus menacées de la planète. Soudain, Zuyen nous fait signe. « Là, là, il y en a un qui saute !» Instant magique. Nous n'en verrons pas plus. Il nous faut retourner à la jonque avant la nuit. Comme dans tous les paysages calcaires, la baie d'Along recèle de nombreuses grottes. L'une d'elles retient notre attention. Sur l'île de Tien Hong, on peut observer une grande accumulation de coquillages. Vous me direz que, en bord de mer, c'est un peu normal. Mais ceux-là sont des gastéropodes d'eau douce. Les archéologues les ont datés à moins 10 000 ans. Ce qui laisse à penser qu'à cette époque, la baie d'Along n'était pas envahie par la mer. Cela correspond à la fin de la dernière grande glaciation, pendant laquelle le niveau des océans était une centaine de mètres plus bas qu'aujourd'hui. Il y a 10 000 ans, des rivières serpentaient entre les pitons calcaires. Les hommes du néolithique habitaient ces grottes et probablement appréciaient beaucoup les coquillages. Mais alors, comment se sont formées ces gigantesques murailles de pierre? La légende raconte qu'un énorme dragon descendit un jour de la montagne pour aider les villageois à chasser l'envahisseur. Ses coups de queue furieux entaillèrent la roche pour ne laisser qu'un champ de ruines. Lorsque, harassé, il plongea dans l'océan, il fit monter le niveau des eaux tant et si bien qu'il inonda toute la région. Seuls les plus hauts sommets sont encore visibles. En réalité, l'origine de ces paysages remonte à plusieurs centaines de millions d'années. À cette époque, toute la région était recouverte par la mer. Des sédiments calcaires s'y déposaient sur de grandes épaisseurs. Puis la mer s'est retirée et le plateau s'est retrouvé à l'air libre. Le calcaire est très soluble dans l'eau, surtout en climat tropical. Il s'est progressivement dissous, s'est creusé de dolines, de grottes, qui ont fini par s'effondrer, ne laissant que des pitons calcaires sculptés par l'érosion. Il y a 8000 ans, la mer a repris possession des lieux, donnant ce fabuleux paysage karstique qu'on admire aujourd'hui. À quelques centaines de kilomètres plus à l'ouest, on peut observer un paysage tout à fait semblable à ce qu'était la baie d'Along il y a 10 000 ans. D'ailleurs, on l'appelle la baie d'Along terrestre. Près de Ninbin, les pins de sucre, enveloppés dans leur manteau de brume, s'élèvent au-dessus d'un océan d'épis bien mûr. Des vagues aux reflets dorés ondulent au pied des falaises calcaires. Ruisseaux et rivières serpentent entre les pitons et nous invitent à la promenade. Juste nous. Le calme de l'immensité, le clapotis de l'eau, l'impression que le temps s'est arrêté. Tout là-haut, le dragon veille, toujours prêt à venir défendre les villageois. Va-t-il se précipiter sur ces hordes de touristes qui envahissent la vallée ? Dans sa grande sagesse, il nous explique qu'ils ne sont pas dangereux. Ils arrivent vers 10 heures, les villageois les attendent avec des centaines de barques, ils font 3 petits tours et puis s'en vont. Venez à 8 ou à 16 heures, il n'y a plus personne. C'est le moment que nous avons choisi pour visiter tranquillement les grottes.
sous la lumière de nos lampes frontales, se dévoilent des draperies minérales aux formes et aux couleurs étranges. Entre rizières et pitons calcaires, le temple de Thai Vy est l'un des plus anciens du Vietnam. Il date du XIIIe siècle. Un peu plus loin, la grotte de Jade abrite trois petites pagodes adossées à la montagne. C'est dans ce lieu magique que Camille et Jean-Baptiste, les deux fugitifs du film Indochine, viennent se cacher. À 100 km au sud de Hanoï, ce cadre naturel nous fait découvrir que les formations karstiques de la baie d'Along se prolongent loin à l'intérieur des terres.